moment, faut s'arrêter, les filles. Bip, bip. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bill, il a eu une pénoche. Ah. Non, pas du tout, mon ami Vincent. Écoute ce que j'ai préparé. Oh, c'est le bigathlon. Qui est ce chevalier ou cette chevalière qui va oser défier le record établi par mon ami Vincent? Nul ne le sait, nul ne le saura jamais, car c'est le mystère du bigathlon. C'est beau, ça, hein? C'est beau. Il y a 4 deals, un big deal, et depuis peu, le bigathlon. Et à partir de... après-demain, je pense que ça va être d'une manière quotidienne, puisque vous êtes tellement nombreux à vouloir participer. On a modifié un petit peu la règle, vous allez voir. Vous avez du pognon à gagner. Aujourd'hui, pour le bigathlon, il va être question d'empiler un maximum de sucre les uns sur les autres. Le record est à... Voilà, vous voyez, on empile des... Alors, moi, j'empile comme ça, hein. On empile comme on veut. 23 sucres, 23... 24 sucres en une minute, 25, ta-da-da, 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 25 au 26e, c'est tombé. Et c'est Christelle qui va tenter de battre ce record. Christelle, le bigathlon. Mademoiselle. Pas Christelle, Estelle. Estelle. Bonsoir. Estelle, Bill, Estelle, Estelle, le public, bonjour le public, tout le monde. Estelle. Bonjour, Bill. Bonjour, Estelle, je suis tout sucre de vous voir. Ça va? Ça va. Alors, pendant une minute, vous allez empiler des sucres. Vous êtes malheureusement condamné au succès. Il n'y a plus de big deal intermédiaire, il n'y a plus de rideau intermédiaire. Vous allez tenter de battre le record. Vous battez le record, vous gagnez 10 000 francs, vous pouvez les rejouer. Vous ne battez pas le record, vous êtes venu pour rien. C'est clair entre vous c'est et clair, moi. C'est clair. Très bien. Bien. Faites quoi dans la vie, Estelle? Je suis étudiante en géographie. Oui, je n'ai pas le rapport avec le sucre. Hein, quel rapport? Bien, faites entrer le matériel du Big Deal, s'il vous plaît. Rentre dessus, on va voir ce que ça donne. Alors, bien évidemment, vous empilez. Si ça tombe, on retient quand même votre score. OK? Allez. Alors. Je peux les disposer comme je veux. Il faut simplement que... voyez, il est bien droit. Il faut simplement que vous partiez de ceci, comme vous voulez. Mais à la base, il n'y a qu'un sucre. Je ne peux pas partir comme ça. Si, si vous voulez, vous partez comme ça. Okay. D'accord? On est prête? On est prête. Une minute, 3, 2, 1, top, c'est parti. Non, c'est empilé, hein, c'est pas sorti du saladier. Hein, et c'est empilé vertical aussi. Hein, elle va nous 140, j'en ai mis le long de la table. Ouais. Alors après, on a fait le plateau et après, on a fini sur le parking. Mais ils étaient en train d'enregistrer Sacrée Soirée. Alors on a été embêtés, on n'a pas pu. Hey, il faudrait peut-être compter, mon ami Vincent. Ah ben, on comptera après, hein, on comptera après. Hein. Ouais, bien, regarde. Ah ouais, pas mal la technique. Ouah. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 et 3, normalement on est à 20. Tremblez pas, hein. Oh là 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 là. Je sais pas, je peux pas te dire, mais on arrive à la minute là. 4, 3, et c'est bon, c'est gagné. 1, terminé, stop, terminé, stop, je n'accepte pas le dernier. Tu as compté, mon ami Vincent? Oui, oui. Celui que j'ai à la main, c'est celui qui était à côté, vous ne l'avez pas mis, OK? Donc, je l'enlève. Vous aviez mis tant de sucre, c'est le dernier qui a fait tomber. Donc, le dernier ne compte pas. OK, on enlève le dernier. Alors, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Record égalisé, mais non battu. Ah ben oui, c'est ballot, hein, à un près. À un près, ouais. Vous étiez fébrile, vous êtes... ouais, j'ai tremblé. Vous étiez trop nerveuse. Trop stressée. Bon, malgré tout, grâce à vous, la prochaine ou le prochain candidat qui voudra jouer au sucre partira sur une cagnotte de 20 000 francs. De 20 000 francs. Voilà, et c'est toujours 25 à battre. Pas trop déçu? C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. J'espère. Bien, Estelle, merci d'avoir été avec nous, passer par le couloir. À tout bientôt. Bill,
tu vois, hein, là, ça s'est joué à un sucre près. Ah, sucre près, oui, oui, mais j'ai bien dit que je ne pouvais l'accepter parce que c'est lui qui a fait tomber toute la pyramide soigneusement. La prochaine fois qu'on joue au sucre, je le rappelle, on part sur une cagnotte de 20 000 francs. Oui, oui, mais je serai là pour te rappeler aussi. T'inquiète pas, mon copain. Un mot à dire? Oui, tu es très très beau. Ah oui, oui, non, c'est pas ça que je dois dire. Chers amis et spectateurs du monde mondial des terriens, vous le savez, c'est le jeu de mille, c'est mon jeu. C'est-à-dire, bon, ce qu'il faut faire, c'est il va y avoir un numéro qui va apparaître trois fois dans l'émission. Et alors, il faut le découvrir. Et quand vous l'avez découvert, je vous en supplie, notez-le. Et moi aussi, j'avais soif, j'ai pas envie de le demander. Et vous composez le 08 36 66 90 03. Oui, il faut le laisser un tout petit peu, parce que quand même, hein, ou 36 15 côté F1. Et vous recevrez peut-être l'un des trois chèques de 1000 francs que j'envoie à tous les jours. Moi, Bill premier. Et moi. Je suis derrière moi. Je suis prof aussi, moi. Séverine pour le top 3. Séverine. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Vincent. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour, le public. Bonjour, Bill. Bonjour. Séverine, quoi de neuf? Bah, tout va bien. C'est vrai? Ouais. Ah bah super, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Marié? Oui. Il est là? Oui, dans la salle. Rugbyman? Non. Non? Chauffeur c'est... routier. Ah, c'est pareil. C'est qui? Quand il est dans la mêlée, tu vas pas le chercher. Vous avez envie de nous chanter quelque chose puisque vous êtes confronté oui. au top 3? Oui, pourquoi on chanterait quoi? Les rois mages de Sheila? Ouais, ceux qui sont en Galilée. Exactement. Ouais, mais ça va être dur de suivre l'étoile du berger. Hein. Comme les rois mages. En Galilée, suivez les yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Yeah! Voici qui vous avez envie de voir aujourd'hui? J'aimerais bien voir Ramucho. C'est vrai? Ouais. Ah ben allez, vos désirs sont des ordres, voici Ramucho! Ramucho el señor! De poco de valor et mucho dinero! Bonjour tout le monde, les gens! Bonjour Vincent, ça va bien? Séverine. Séverine. Ramucho, bonsoir, Séverine. Bonsoir, Ramucho. Ça va bien? Ça va, oui, merci. Ça va, tout le monde, les gens? Alors, quoi de neuf? Eh bien, hier, j'ai passé une journée lumineuse. Enfin, c'était pas terrible. Enfin, vous allez comprendre. Parce que j'étais chez moi, tranquille, puis d'un seul coup, sans prévenir, il y a mon pote Herbert qui vient avec sa copine Lola, avec un seau d'eau. Et il pose le seau d'eau sur la table. Alors je lui dis, autant Lola ne me gêne pas, autant l'eau gêne. Oui, oui. C'est bon, oui. C'est clair. C'est pour ça que je te disais que c'était une journée lumineuse. Alors il bouge pas, je lui dis ça, il bouge pas. Je lui dis, oh, tu rêves, Herbert, tu vois, pour le tout doué, quoi. Oui. Alors juste après, il y a son frangin Joe qui revient parce qu'il fait de la compétition de vélo. Puis il me dit, ouais, j'ai gagné. Je lui dis, ouais, t'es un pro, Joe, tu vois. Enfin bon, bref. Et puis il me dit, oh, j'ai mal aux pieds. Je lui dis, ça doit être des ampoules, hein, tu vois. Et puis il me dit, ça fait des lustres que j'ai pas gagné. Et puis il me dit, bah, ça va passer peut-être aux infos. Bah tiens, allume, il y a un flash en ce moment. Je demande à mon chien. Oh, bravo. Bien, alors, vous connaissez le principe, hein. Notre ami Ramucho va tenter de jouer du... Je vous raconterai. Notre ami Ramucho va tenter de sortir un son du xylophone qu'il a lâchement volé à son fils. Mm-hmm. Et vous avez 15 secondes pour me donner. Attention. Le titre au mot à mot près exact si c'est un titre français. Mm-hmm. Le nom de la chanson ou l'interprète si c'est un titre étranger. Mais d'accord. Pas complètement à peu près. Hein, un truc qui ressemble quand même à... Hein, d'accord. À quelque chose. Oui, quand même. Un petit quand peu. Même. 15 secondes, c'est parti, on t'écoute. En bon côté. Oui. C'est Chantal Goya. Oui. Venez danser, grand-mère. Non, c'est pas venez danser. C'est pas venez danser. C'est. Voulez-vous danser, oui, grand-mère? Oui, voulez-vous danser, grand-mère? Bill. Elle a commencé la phrase avant le gong.
Allez, mon s'il bon te plaît, Bill. Allez, tiens, j'ai le pare-brise. S'il te plaît, Bill. Là, 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 mon pépère, là, oui. Là, 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 il y en a un petit peu encore, là. Voilà. S'il te plaît, Bill. Petit bisou, Séverine. Petit bisou. Non, pas toi, Séverine. Voilà. c'est bon, eh ben, ça, on le refera ça, c'est bon ça. Et je ne peux pas l'accorder, bien sûr. Ah si, je rigole, merci. Je rigole, je l'accorde. Merci. Quand c'est grand-père, voulez tout passer, grand-père, tout comme mon vieux temps. Bon, bon, et son bon. 20 ans. Je prends Clarisse. Clarisse. Ah bien le caméscope. Wow. Et oui, vous l'avez gagné, c'est un caméscope. C'est une valeur de 6990 francs, c'est génial. Et regardez, notre reporter spécial Vincent Lagaffe est en train de filmer au péril de sa vie. Il est en train de filmer les coulisses du Big Deal. Ce reportage peut-être recevra le prix des reporters pour un reportage. C'est extraordinaire, admirez son aisance. Ça, c'est un félin en train de filmer, il est extraordinaire. C'est, on dirait, Bruce Willis, voilà. T'as un peu l'impression qu'on se fout ma gueule, là, quelque part, hein, ah quand non, même. Ah non, pas du tout, Vincent. On en fait un deuxième, on est bien parti. Ouais. Balèze, hein. Wabadabadam. Non. Ah. Il me semble que la musique... Emmenez-moi, emmenez-moi. Emmenez-moi au bout de la terre. C'est accordé, bien sûr. Emmenez-moi tout court. Les merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi. Allez, c'est gagné. Ah, chanson qui a fait fureur à... Je sais plus si c'est au Resto du Cœur ou aux Enfoirés ou les Enfoirés, c'est les Restos du Cœur, mon ami Vincent. Sonne si facile, si... Solancy. Non, c'est les Enfoirés pour les Restos du Cœur. Jimmy. Jimmy. Oh, Jimmy. T'as recommencé là. Ouais. C'est la boîte à clé. C'est la boîte à clé. C'est incroyable. Attention, le public, tout le monde, Séverine vient de gagner la boîte à clé. C'est incroyable, je pensais qu'elle n'y arriverait pas. Elle y est arrivée, elle a gagné la boîte à clé. C'est trop, c'est trop. C'est, ouais, ouais, ben ça va, elle a gagné la... Ah, oh, ben ça y est, nous a... Va recharger ton pacemaker. Boîte à clé. Ça y est. Un petit dernier. Mais alors, pour la route, hein. Pour la route. Allez. Vous permettez, monsieur. Permettez, monsieur. C'est une excellente réponse et c'est peut-être un grand chelem. Lynn ou Rhoda? Je vais prendre Rosa. Rosa. Bien. Alors, Rosa qui nous... Ah, ouais, voilà. Eh oui, c'est fantastique. Ce soir, c'est historique. Ce n'est pas un grand chelem, car vous avez gagné mon plateau avec des petites carottes en plastique. Si vous vous sentez malheureuse, eh bien, prenez-les. C'est des bonnes copines. Elles parlent, elles vont quick, quick. Elles sont vachement sympas. Ce qui veut dire que vous avez gagné en tout et pour tout, chère Séverine. Sans compter la boîte à clé, bien évidemment, pour 7091 francs. Bon, eh ben voilà, hein. Et puis c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ben c'est les choses qui arrivent, hein. N'empêche que c'est un grand chelem. Ouais. Bon, vous gardez tout ça et le mystère dans la boîte à clé, qu'on découvrira après le rideau, ou vous prenez le rideau? Non, je vais garder. Vous gardez? Ouais, je vais garder. On verra tout à l'heure au Big Deal. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Vous avez perdu une magnifique voiture. Mais non, je rigole. Une magnifique paire de bottes grenouilles qui ont appartenu à la célèbre grenouille du Mopalette Show d'une valeur de 129 francs. C'est joli comme cadeau, c'est moi qui l'ai choisi. Un quart de tour à gauche et vous tirez. Allez-y, voilà, et vous tirez. Il y a une clé. Oh non, ils ont trouvé ma voiture.
qui s'ouvre derrière le coffre à 61 600 francs. Oh non, c'est une boule. Oh non, c'est une boule. Super, fort, fort. Allez, très fort. Allez, t'as beau. Allez, les filles. Tenez un torchon. Bravo, vous aussi. Ah ouais, merci, bah, on a besoin d'un aussi. Mais ça me fait plaisir d'en faire des voitures et des entrepôts. Vous êtes fort sympathique. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Embrassez vos deux petites poupouines pour nous. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous faites 36-15 code Lagaffe. Au revoir. Salut. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mon bon Ramuccio, infiniment merci. On vous appelle toujours Bud? Oui, toujours. Vous êtes toujours au Blanc Manteau? Au Blanc Manteau, bien sûr. Et on peut vous y voir à partir de quelle heure? Eh ben, 21h15, du mercredi au samedi. Et les Blancs Manteaux, c'est facile à trouver, c'est rue des Blancs Manteaux. Oui, exact. Mais il n'y a pas que Ramuccio avec vous, il y a d'autres copains et tout, hein, oui, sur scène. Oui, bien sûr, il y a Bud et puis Ramuccio. T'as sur la tête. Salut Ramuccio! La E! Et le prochain à jouer pour une grande occasion de la télévision française. Aspetta adesso qui toute la famille qui est une squadra italiana. La famiglia, comment si dice? Scaravilli! Bonjour. Bonjour le public. Ça va? Bonjour Bill. Buongiorno. Qui s'appelle Scaravilli? Voilà, vous êtes d'origine italienne. C'est ma frangine, Graziella. Vous êtes sa sœur. Oui. D'accord, donc vous êtes tous les deux italiens, hein? De souche italienne. Souche. D'accord, frère et sœur. Ouais. Vous êtes? Sandrina. Sandrina, ça a des yeux, Sandrina. Ma fille. Donc italienne aussi. D'accord. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Et dans 3 ans, vous dormez plus quand elle sort le soir. Déjà, sortant de l'école, il est comme ça. Vous, alors, présente-nous les deux autres personnes de ta famille. C'est Nacera, ma cousine. Nacera, c'est pas italien du tout. Non, c'est pas italien. C'est d'un pays chaud, mais c'est pas italien, Nacera. Hein. Nacera, on va lui donner la sucette. Vous êtes originaire d'où, Nacera? Alors, de Sicile par ma mère et d'Algérie par mon père. Voilà, parce que Nacera, c'est plus algérien que sicilien. Hein. Et notre dernier, qui lui, alors lui, s'il nous sort un nom italien, je bouffe mon chien. Momo. Voilà, Maurice donc. Maurice donc. Allez, faites entrer le tableau du Big Deal. Venez par là, venez par là, venez par là, venez par là. J'ai récupéré la sucette. Prenez place sur une chaise, n'importe laquelle, allez-y, asseyez-vous. Donc, le but du jeu est très simple. Ils vont se déchausser, chacun d'entre eux va se mettre les pieds dans la peinture, vont monter à l'aide de cette corde à nœuds dans le couloir qui leur est attribué, ouais, en faisant en sorte de bien laisser des empreintes lisibles, car, rappelez-moi votre prénom. Carlo. Car Carlo, quand il reviendra, devra mettre un prénom sur chaque empreinte. OK? Carlo, je vous propose de sortir et de venir nous retrouver ultérieurement. D'accord, merci. Carlo, grazie mille. Prêt, 2000. Eh bien, on est parti. Allez. Vous vous mettez où vous voulez, hein. Alors, attention, mettons les pieds dedans, ça glisse, hein. Allez-y, mettez les pieds dedans. Prenez la corde, voilà, OK. Alors, vous avez une minute pour grimper tout en haut. Chaque personne qui arrive en haut remporte 1000 francs. Ah ouais, faut arriver de l'autre côté, hein. Ça veut dire monter de l'autre côté, hein. Ça veut pas dire arriver là-haut, faut passer de l'autre côté, hein. Alors... Mais Nacera, je la sens pas du tout sur ce coup-là, hein. Ça va aller quand même. À la bonne heure. L'Italienne, elle est là en train de se dire, putain, mais il part pas le tire-fesse, là, alors. On va passer la nuit là non plus, là. Momo, il est mort de rire, lui, il savait ce qui allait arriver. 3, 2, 1, top, c'est parti, allez, grimpez. Oh là 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 là. Ouais, Momo. Allez, Momo, aidez les autres maintenant, aidez les autres, Momo. Et donne deux. Ah ben là! Voilà là! Mec, ah, la peinture! Non, pas la peinture! Remontez! Remontez! Monte dans ta
chante. Secondes. Mandata chante tout de suite. Le bordel qu'elle nous a mis, celle-là. Allez, voilà. Bon, alors, vous allez, dès qu'on vous amène le trône, vous descendez, vous vous installez sur les chaises. On va pas tarder à faire revenir Carlo. Vous allez évacuer et puis on vous fera revenir par la suite. Puis il y a eu tentative de mélange là-haut, hein. C'était à qui arriverait le premier à grand coup de latte, hein. Bon, allez, Carlo, revenez. On est parti, Carlo. On a assisté à un grand moment, hein. Ah bon? Ah ouais. Bon. C'est une catastrophe, quoi. Non, cela dit, c'est pas catastrophique parce que tout le monde est arrivé en haut et tout le monde a gagné 1000 francs. Donc, Bill vous offre 4000 francs. 4000 francs. Oui. Alors, vous êtes condamné à un sans-faute. OK? Vous êtes condamné au sans-faute, c'est-à-dire qu'il va falloir me mettre un prénom sur chaque empreinte. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous faites ce sans-faute, Bill rajoute aux 4000 francs. 5000 francs pour la bébé. Il va mourir. Oui. Donc, vous jouez pour 9000 francs. Si vous ne le sentez pas, vous dites non. Je laisse tomber, je vais me planter. 4000, ça vaut pas le coup, je prends le rideau. Je continue. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh bien, voilà, papa, il ne fallait pas continuer. La voiture à 120 000 francs. Vincent, Vincent, 120 000 francs, Vincent, Vincent. Ah, il allait bon. Okay. Bah, si on joue vite, ils n'auront peut-être pas le temps de l'enlever. On va jouer vite. Allez, alors, on joue pour 9000 francs. Donnez-moi un prénom dans l'ordre que vous voulez. Hein. Bill va noter au fur et à mesure. Alors, moi, je dirais bien... Quelque chose. Oui. Oh, le premier... Oui, pardon, Carlo. Non, mais de rien. Ah bah, je dirais, moi, le premier, je dirais bien... Momo. Momo. Ouais. Bah, Bill, le marron, Momo. C'est noté. Combien elle valait, la voiture, déjà? 12 patates. Ah, bah, oui. Ah, ouais, 120 000 francs, bah, oui, c'est comme ça, hein. Joli Merco, ça. Le bleu, moi, je dirais bien... Oh. Il est fini, oui. Ah bah non, allez, ça suffit, hein. Alors, Sandrina. Sandrina. En bleu, Sandrina. Celui-là, moi, je dirais... Nacera. Nacera en rouge. C'est noté, Vincent. Et en dernier, ben, Graziel. Et Graziella en jaune. Faites revenir la famille, s'il vous plaît. À vue d'ici, ça sent bon, hein. À vue d'ici. Déjà, je connais la peinture. Oui. Parce que j'y travaille. Ah oui, vous êtes dans la peinture. Ah bah oui. Automobile, bah hein. En plus. En plus. Bon, alors, vous avez dit en marron, Momo, c'est Momo. En deux, Sandrina, c'est Sandrina. En rouge... Au nom de toutes les personnes de la télévision française, merci de ce grand moment que vous nous avez fait vivre. Hein. Ah non, là... Bien, bien. Et Graziella en jaune, c'est un sans faute, 9000 francs, Bill. Mais oui, mais c'est pas bien grave, parce que ça me fait plaisir même ce soir de donner 9000 francs. Bon, alors. Vous êtes au courant qu'il a planté une voiture à 12 patates? Oui. D'accord, OK. Non, c'est pour pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin bon. Bon, alors, là, vous pouvez décider à 5, 9000 francs ou le rideau. On garde. On garde. On garde. La voiture, elle est passée. Et puis ça fait deux hein, qui passent. Hein. Bah, je sais pas. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer. Non, on garde. Vous gardez? Ouais. Vous rejouerez vos 9000 francs peut-être? Peut-être. Comment vous appeliez là les boules? Les boules. Rino! Pour la voiture, c'était mauvaise pioche. Non, pour le jeu des 7 familles, c'était une bonne pioche. Valeur 45 francs, vous avez très très bien joué. Carlo, passez par l'escalier. On se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Merci Vincent. Vous ne bougez pas, vous êtes évacués tel des rois. Merci le public. Merci Bill. Mais de rien, Carlo.
C'est moi qui vous remercie. Allez, on va encore mettre Bill un petit peu à l'honneur. Il est tout malheureux, il a perdu une voiture. Je vous propose tout de suite d'accueillir le jeune Bill avec Laetitia. Laetitia. Hello, Laetitia. Ça va bien? Bonjour, Vincent. Bonjour. Bonjour, Bill. Bill, Laetitia, Laetitia, bonjour, Bill, 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 Bill. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fiancé? Un petit peu, oui. Ouais, mais c'est pas. Enfin, bon, ça. Oui, c'est qu'un détail. Ouais. Il est là? Non. Ah, bah oui, c'est vraiment scandé. Hein. Mais j'ai ma belle-sœur qui surveille alors. Ah merde, la belle doche. Une passion dans la vie? Oui, je collectionne les œufs. Les œufs? Oui. Comment on fait pour collectionner des œufs? Parce qu'il y a un moment, ça pourrit l'œuf. Hein, et l'œuf pourri, fou. Alors, généralement, c'est tout sauf des vrais où ils sont vidés. C'est... Ah ouais, vous les. Enfin, ouais. Il y en a qu'on gobe et. Et vous avez combien d'œufs? 150. Ah ouais. Ça va sinon? Ouais, ouais, non, ça... c'est sympa. On va jouer avec Bill, si vous permettez. Mettez le casque sur vos oreilles. Roger. Yes. Bill, que faut-il découvrir? Alors aujourd'hui, mon ami Vincent, et très joli Laetitia, ouais. Il faut découvrir un instrument. Mais attention, attention! Pas de musique. Un instrument, mais pas de musique. Dingo, dingo! Ouais. On essaye, hein, on essaye. Premier indice, je suis aussi un affront. Un affront? Oui. Un affront? Oui, un affront, tout à fait. D'accord. Allez, j'y vais. Un instrument qui est également un affront. Je ne sais pas du tout, malheureusement, non. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Donc, nous allons ensemble prononcer le célèbre Dingo Dingo. Ouais, ah nature, oui, nature. Bonsoir. Alors, écoutez-moi bien. Pour une couturière, je suis une pièce de tissu cousue dans une couture pour donner de l'ampleur aux vêtements. Ça va aller? Oui. Tu nous le refais un petit coup? Pour une couturière, je suis une pièce de tissu cousue dans une couture pour donner de l'ampleur aux vêtements. Épaulette. Qu'est-ce que vous avez répondu? Non, ça, vous n'avez pas le droit de demander un conseil à une amie en disant « épaulette épaulette. Une épaulette. Une épaulette, je ne connaissais pas cet instrument de musique. Ça alors mais... Ça, c'est pas un instrument de musique, c'est un instrument. C'est un instrument, oui. Je pensais que c'était difficile et pourtant, au deuxième indice, vous ne l'avez pas trouvé. Dans le troisième indice, dingo dingo. Ah, alors un instrument. Alors, on en trouvait sur les vieux appareils photo. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Un trépied. Non, pas un trépied. Ah. Cherchez bien autour du vieil appareil. Je peux pas vous le souffler. Allez. Allez, on y va. Dernier indice. Vincent, s'il te plaît. Allez. Alors, autrefois, je faisais marcher les grandes ors et les forges. Autrefois, on faisait marcher. C'est un soufflet. Un soufflet. Un soufflet. Tout à fait, bien joué. Vous venez de gagner 1500 francs. Bravo. Vous avez trouvé parce que je vous ai dit je peux pas vous souffler? Non. Non. Le truc le plus logique, non. Oui, mais je ne pouvais pas vous souffler. Souffler. Oui, c'est bien ce que j'ai. Bien, vous connaissez le principe du double... Oui. Il va y avoir double choix. Bah oui. Donc là, je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mettez-le autour du cou. Oui, ce voilà. Sera plus simple voilà. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend. C'est une double chance. Non. Grand moment. Ça va pas donner. Bon. Si votre fiancé vous a vu, à mon avis, vous êtes déjà descendu dans son estime. Hein. C'est bon, clair, ça, hein. Ça nous arrange. Le rideau, l'écran, 7000 francs. Ah, d'un coup, la belle-sœur, elle dit plus rien, hein. Non, je crois que je vais garder. On va rester modeste parce que... Vous le sentez comme ça? Ouais, il y aurait eu qu'un choix, peut-être que j'aurais tenté, mais ouais, là, tandis non. Que là, il y a une chance sur deux voilà. D'avoir les bonbons. Bon, si vous aviez donc, eu qu'un choix, vous auriez pris lequel? J'aurais pris l'écran. Regardez ce qu'il y avait dans l'écran.
Eh bien, derrière l'écran, il y avait un cadeau magnifique, Laetitia. Vous auriez pu partir avec la personne de votre choix au Sénégal pendant 8 jours. Le Sénégal, c'est un des pays les plus vivants de l'Afrique francophone, avec un folklore, des couleurs, des chaleurs extraordinaires de 19 550 francs. 20 000 francs. C'est pas grave. 7 000 francs, ça c'est vous... mieux que rien. Ça vous place pas mal au Big Deal. Voilà. Passez par l'escalier, merci Laetitia. Beaucoup. Merci de votre visite. Coup de téléphone. Et je dis allô. 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 Bonsoir, madame. Bonsoir, Nathan. Comment ça va bien, Tess? Ça va très bien, avec un peu de soleil, même aujourd'hui. Vous êtes où? À Chantilly. Quel est votre prénom? Marie. Marie, que faites-vous à Chantilly? Eh bien, je suis retraitée. Oh, vous n'avez pas la voix d'une retraitée, vous avez la voix d'une jeune fille. Ah, je vous remercie beaucoup. Et puis, bon, ben, je m'occupe un petit peu de mon jardin, petit jardinet, et puis je me promène. Et on passe le temps. Et voilà. Je vous propose une question qui peut vous rapporter 5 000 francs. Oui. Vous connaissez le principe du Big Deal? Oui, oh, bien sûr. Marie, le mot turf. T-U-R-F. Voilà, le mot turf, T-U-R-F, désigne tout ce qui touche au monde des courses hippiques. Oui. Les sacs à main, les porte-monnaies. C'est un mot anglais, turf. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La question est toute simple. Que veut dire le mot turf? Oui. Voilà. D'accord? Oui. T-U-R-F. Si vous avez la réponse après la publicité, je vous offre 5 000 francs. Merci d'avance. Et puis... Et après, il y aura la possibilité de les rejouer contre le rideau. Oui. On se retrouve après la pub, Marie. Entendu. Allez, à tout de suite après la pub! Le Big Deal, ça change tout avec Monsieur Meuble. Retour sur le plateau de Big Deal, mesdames et messieurs, nous étions au téléphone avec une charmante Marie. Alors, la question que je vous posate fut, le mot turf désigne tout ce qui touche le monde des courses hippiques. C'est un mot anglais, que signifie-t-il? C'est un mot anglais qui signifie gazon. Ah, et plus exactement, vous avez que gazon, allez, je l'accepte de toute façon. Oui. Mais là, ce que j'attendais, je sais pas, mais je pense que Bill va l'accepter. On attendait motte de gazon, une motte de gazon. Mais bon, c'est du gazon, hein. Une motte de gazon, c'est du gazon. Hein, Marie. Oui, je crois. Bon, oui. Vous qui avez un jardin, qu'on est, avoir du gazon, c'est avoir plein de mottes de gazon. Oui, je voilà. Pense. Bill, on dit gazon. Eh bien, on dit que j'ai encore perdu 5 000 francs, que j'ai les boules. Marie, vous avez gagné 5 000 francs. Que décidez-vous de faire avec... Eh bien, je vais les garder. Oui. Et je remercie beaucoup Vincent ainsi que Bill. C'est très merci. Gentil à vous. Je suis à deux doigts d'éternuer là, Marie. Oui, je vois, vous êtes enrhumée. Oh là, c'est terrible là. Écoutez, donc, ça y est, c'est passé. Donc, vous ne prenez pas le rideau? Non. Je vous propose quand même d'écouter ce qu'il y avait derrière le rideau, Marie. Oui. Écoutez. Eh bien, derrière le rideau, j'avais réservé pour Marie un très joli scooter 50 cm3 avec un casque d'une valeur de 11 880 francs. Mais je suis complètement fou en ce moment, moi. Je vous souhaite une excellente soirée, Marie. Merci d'avoir joué avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Marie. Dernier deal, nouvelle grue, jeu déjà connu, mais grue plus précise. Il va falloir exploser la télévision, chose que nous essayons de faire depuis 3 ans. Et pour ce, eh bien, je vous propose d'accueillir, Arnaud. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Il commence à pleuvoir, oui. On va pas traîner. Vous êtes grutier de métier? Non, je pilote à tractopelle. Ah ouais? Ah, c'est pas les mêmes, hein? Bah, pas tout à fait, mais... Bon, mais c'est deux manuels hydrauliques, hein, ça va le faire. Je vous en prie, mettez-vous à bord de cette très jolie grue qui nous a été, non pas prêtée, mais louée. Bill, combien de temps accordes-tu à notre ami? 2 minutes pour l'ami Vincent. Arnaud, vous entendez? Oui. Vous avez 2 minutes pour, chaque fois, prendre la pierre, la mettre au-dessus de la télé et exploser la télé en lâchant la pierre. Et non pas en percutant la télé avec la pierre. Si au passage vous percutez la télé, c'est pas bon. Faut prendre la pierre, la soulever et qu'elle tombe sur la télé. Que l'écran soit bien explosé. Chaque fois que vous explosez la télé, Bill vous offre 2000 francs, Vincent, 2000 francs. 2000 francs, il y en a 4 jours pour 8000 francs. Il commence à pleuvoir. Je dis 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Ouais, facile.
Ah, ah. La première manœuvre, bah, la première manœuvre était la bonne. Ah oui, les commandes du tractopelle sont vraiment différentes. Allez, bah, faut descendre le bras complet là. Faut descendre tout le... Voilà, voilà, voilà. Allez, non, descendez encore, descendez encore. Descendez encore, descendez encore, descendez encore. Voilà, descendez maintenant, descendez, 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 descendez. Stop, c'est bon, serrez. Voilà, soulevez. Non, là c'est... Non, là c'est... Non, le bras complet. Voilà. Allez, l'avant-bras en avant. Oui, encore, encore. Montez, 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 montez. Moi, je serai vous, il y a un moment, je lâcherai tout. Ah, raté. Puis pour aller la chercher là-bas, bonjour, hein. Stop. Voilà, une minute chrono. 13. Alors, il vous reste 1 minute 13. OK ? Ouais. On va ramener la pierre pendant la minute 13. Si Alex, Alex Lardon, tout ça, ils vont la faire rouler jusque-là. Vous, il va vous rester 1 minute 13 pour tenter d'écraser au moins une télé. Mm-hmm. OK ? D'accord. Si vous n'écrasez aucune télé, vous êtes éliminé. Mm-hmm. Si vous écrasez une télé, vous pourrez les rejouer tout à l'heure. D'accord. Sauf si vous décidez d'arrêter tout de suite en vous disant « je ne vais jamais y arriver ». Bon, je préfère arrêter. Comment ça? Vous, un conducteur de tractopelle, vous refusez ce... Ouais, je crois que c'est plus sérieux. Ouais, vraiment? Ouais, ouais, vrai. Vous le sentez pas du tout? Je le sens pas, non. Bon, descendez. Je vais au moins... Attendez, la sécu. Mais il y a combien de temps vous conduisez des tractopelles? Vous commencez la semaine prochaine? Non, non. Ça fait 10 ans. 10 ans? Ouais. Mais pourtant... Ah, mais c'est différent. Ah, mais vous êtes... Et puis en plus, vous avez pas le temps de vous concentrer? Allez, je vais... On va en casser une, hein, quand même. Hein. Bon, Bill, on va se retrouver sur le plateau pour savoir ce que notre ami a gagné. Si toi, t'as envie de faire une petite annonce, eh ben, te jette pas. Mais je veux te regarder d'abord, je peux? Ouais, bah, je t'en prie. Okay. Bon, la vie, il va essayer de casser une télévision. Mais moi, je peux vous dire que tous les candidats finalistes du Big Deal... Oh là là, regardez, il est fort, c'est mon copain. À moi, c'est mon copain, va attendre. Je peux vous dire que les candidats finalistes du Big Deal, eh ben, ils vont gagner un abonnement de un an, au magazine Télé Loisirs. Bonjour, Télé Loisirs. Ouais, tu sais, Vincent, il va essayer de casser quelque chose. Alors, on va le gagner. Ouais, ben, ça y est, il est déjà parti pour regarder. Il en est où, la vie, Vincent? Oh là 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 là, la télé, elle va morfler. Donc, je vous rappelle qu'ils vont gagner un abonnement de 1 an. Mais vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez gagner 30 000 francs grâce au magazine Télé Loisirs. Les voilà, les 30 000 francs. Et voici mon indice. Celui qui me façonne porte mon nom. Ah, mais attention, ça devient très facile. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre réponse sur bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre. Attention, mesdames et messieurs, à l'adresse qui s'affiche juste au-dessus de la pierre. Hein, pas de... Oh oui, il est arrivé, il est très fort. Oh là là, il est très fort, il a cassé la télé. Et Vincent, c'était ma télé à moi. C'est à qu'est-ce que je vais m'apercevoir de dessus? Oh non, il a cassé ma télé. Mais qui c'est qui a pris ma télé pour un jeu? Bah tu reviens et puis tu vas me demander pardon parce que t'as cassé ma télé. Voilà, je t'attends. Je sors par la télé. Je suis le Nicolas Hulot de l'Audimat. Et on se retrouve tout de suite sur le plateau pour découvrir qu'est-ce qu'il a gagné, mon copain. D'accord. Moi, ton plaisir, c'est qu'il aura fait une entrée fracassante à la télé. Oh. Vincent Lagrave qui arrive. Philippe, c'est ça? Non, Arnaud. 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 Arnaud, notre grutier de l'impossible, pour qui ça a été impossible. Arnaud, Bill, Arnaud, Arnaud. Bonjour, Arnaud. Non, je vous disais, là, sur le retour, vous voulez quand même jouer petit bras sur ce coup-là. Ouais, j'ai pas été fort. Alors, à mon avis, demain, les copains de chantier... Non, je travaille pas sur un chantier, je suis agriculteur. Enfin, avec un tractopelle, on fait les tranchées, on fait les fossés, on déplace des souches, on... Ouais. Alors, c'est vrai que c'est les manettes, les leviers. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est pas la même chose. Les manettes, voilà. Tant pis. C'est bête, hein. Essayez de faire mieux. Regardez si vous avez gagné. Alors vraiment, hein. Eh bien, puisque vous aimez... Alors, c'est le rideau, c'est parti. Puisque vous aimez des cailloux, ben moi, je vous en offre. Voilà, et puis il est parti. Tout un lot de cailloux de collection d'une valeur de 212. Ah bah oui, non, mais là, je vous ai prévenu, hein, je vous l'ai dit. Vous étiez encore dans la grue, il était possible... C'est pas grave. Bon, allez, rien n'est fini. On va peut-être avoir la chance de rejouer tout ça avec le Big Deal. Mais oui, voici venu le temps des rires et du Big Deal avec en première position... La famille Scarabilli, et donc Arnaud, 9000 francs. Deuxième, Laetitia avec 7000 francs. Troisième, Arnaud avec 212 francs. Quant à Séverine, elle a gagné la voiture. Estelle a perdu, elle n'a pas réussi à battre le record. Et Séverine a gagné la voiture. Mais regardons!
Et voilà, Samuel a gagné une superbe voiture. Une voiture à 61 600 francs plus un caméscope. Elle emporte 70 000 francs dans sa poche. Et la société Suisse Assurance la félicite en lui offrant une année d'assurance auto. Alors moi je le dis, elle est pas belle la vie, hein? C'est beau un costard sans tache, hein. Bon. Dis donc, il y a des séquelles de la peinture, hein, quand même. Il y en a un peu partout. La famille Scaravilli a gagné 9 000 francs après avoir paumé une bagnole à 12 patates. Ah, oui. Alors, je vous l'avais dit en plus. Que va devenir cette somme? Non. Regarde. Moi, je laisse. Je ouais, garde. Je crois que c'est 9 000 francs. On ne va pas tenter le diable. Hein. Regarde. Salut à vous, Carlo. Merci. Salut, ma belle. Merci. Restez avec nous. Franchez-vous, ça sent bon, ça sent. Laetitia, et on a passé un grand moment tous les deux. Très fort. Ouais, bonne soeur, Laetitia. Mais moi, je garde et je laisse la chance à Arnaud. Mais merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est, soyez heureux. À bientôt. Approchez-vous. Bon. Donc, comme normalement le jeu s'arrête à 45 secondes, on propose le deal. Là, on a arrêté bien avant, donc vous n'avez pas droit au big deal. Vous allez repartir avec vos pavasses. Entre nous, quand même, vous la méritez pas. Hein. Non, c'est vrai. Ah, vous le reconnaissez, c'est très bien. Gabriel, s'il te plaît, donne-nous la lumière, la sœur avec la tortue, le frère avec le nœud papillon, la mère avec la mouette. Vous rejouez un lot de cailloux. Je pose la question au public. Qui prendrait la sœur? Le frère? La mère? D'accord. Laetitia? Je sais plus où j'en suis. Moi non plus. Moi, j'élimine la sœur. La sœur. Non, mais vous prenez quoi, moi, vous? Je prends le frère. Prenez le frère. Moi aussi, la le frère. Allez, j'écoute ma fille, le frère. Vous auriez pris tous les trois le frère. Bon. Le frère, alors. Le frère? Ouais. On élimine quoi? La mère. On élimine la mère? Ouais. Ouais, remarquez, comme vous l'avez dit vous-même, vous ne méritez pas de gagner la voiture, donc on élimine la mère. D'accord. Non, oui, c'est là, ça, hein, la mère. La on mère. Élimine la mère. Donc on élimine la voiture. Hein. Hein? Non. Donc catégoriquement, vous dites, je ne mérite pas la voiture, on l'élimine tout de suite. D'accord, c'est ça? Non. Ah bon, ben alors? Non, j'élimine la mère. Oui, c'est bien ce que je vous dis. J'élimine donc la mère. Donc vous éliminez tout de suite la voiture. Comme ça, au moins, c'est clair, vous ne la méritez pas, vous ne l'aurez pas. D'accord? Non, j'ai éliminé la mère quand même. C'est bien ce que je vous dis. Ouais. Hein, donc on élimine la voiture. Élimine vous la avez voiture. Dit que vous la méritez pas, donc d'ores et déjà elle est éliminée, c'est ça? D'accord. On élimine la mère. On élimine la vous mère. Vous ne voulez pas de la voiture, donc. Non. Parce que vous pensez ne pas la mériter. D'accord. D'accord. On élimine la mère. Eh bien, hibou, ou caillou, adieu la voiture. Eh bien, ça pour dire, vous savez que la voiture était derrière ma maman. 66 500 francs, mais comment tu le savais ça? Ça peut paraître louche, il y a une chance sur trois, je suis tombé juste. Bon, c'est voilà, au moins c'est clair. Ouais. Voilà, maintenant le jeu est juste. Qui prendrait la sœur? Ouais, de toute façon, maintenant on s'en fout. Hein. Le frère? Ouais. Et si c'était possible de recommencer, la mère? Ouais. Ah, il y en a non. Hein. Laetitia, pour sauver les meufs, vous prendriez quoi? Le frère, vous restez sur le frère. Je garde le frère. Tout le monde prend le frère. Bon, je prends le frère. Alors. Donc vous remplacez des cailloux par une botte de poireaux. Je me ferai une soupe. Vous prenez même pas le cadeau intermédiaire. Vous prenez la botte de poireaux. Ouais. Non, je vous ai déjà prévenu que vous éliminiez la voiture. Là, je vous dis maintenant, vous prenez la botte de poireaux. Bon, bah, tant pis. Ah, moi, je serais dans votre situation. D'un coup, je me dirais, bon, peut-être qu'il a raison, la gaffe. Bon, allez, la sœur. Non. Le frère. Donc c'est clair, vous pensez vraiment ne pas mériter ni voiture ni cadeau intermédiaire. C'est pas le jour. Mais gardez vos cailloux. Je vais en faire quoi? Vous les déplacerez en faisant. Non, je préfère les poireaux. Va pour le frère! Vous prenez le frère, c'est ça? Ouais. Le frère! Eh bien, pourtant, on l'avait conseillé. Voilà un candidat comme je l'aime, puisqu'il gagne des bonbons. On vous l'a dit, on vous le dit, on vous le répète. 420 francs quand même. Ouais. 400. C'est un petit peu mieux, c'est 420 grave. Francs. 420 francs de bonbons au lieu de combien de cailloux? 212 francs. 212. Bon. Merci. Vous avez quand même augmenté votre capital. Ouais. Restez encore un petit peu avec nous, les filles. 66 500 francs la voiture, on a économisé plus de 18 000 francs la voiture sur ce coup-là. Ouais. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut à tous, bye bye.